Hello, welcome to The Watches TV. I am very happy to introduce our new saga. It is about design. Design in watchmaking is definitely important because 80% of watches are bought because of the design. So we interviewed experts, designers about what design means in watchmaking, and Arnaud Tellier, expert in watches and also specialist in the history of watchmaking, about what was designed throughout time. L'horlogerie par elle-même apparaît donc au niveau des objets portatifs au tout début du XVIe siècle, et dès cette époque-là, on verra donc les montres être décorées comme les plus beaux objets de l'époque, que ce soit dans le domaine du bijou, de l'orfèvrerie, l'émaillerie, etc. Toutes ces choses, les domaines des arts appliqués, sont également utilisées dans le domaine de la boîte de montres. Et on verra à la toute fin du XVIIIe siècle une révolution dans le domaine esthétique de l'horlogerie, notamment avec les créations d'Abraham Louis Breguet, où la partie fonctionnelle est bien mise plus en avant que la partie décorative. Là, on peut commencer à parler de design. C'est avant tout le cadran qui va prédominer, avec une lisibilité des fonctions, des complications horlogères. On abandonne donc petit à petit les chiffres romains pour avoir donc des chiffres, on reprend ce que l'on appelle les chiffres arabes. On recherche la lisibilité de l'information. Et on a affaire, durant tout le 19e siècle, donc à une industrialisation du produit horloger, de la fabrication des pièces d'horlogerie, des composants, etc. Mais les choses vont prendre une tournure beaucoup plus conventionnelle. Qu'est-ce que la montre au poignet change dans la façon de les dessiner? On a par exemple Omega qui livre aux militaires cosaques de l'armée impériale des montres que l'on va commencer à porter par-dessus les vestes pour avoir une lecture visible de l'heure. Mais il faut imaginer qu'à l'époque, c'est en fait une grosse montre de poche que l'on a enchâssée dans un gros bracelet en cuir. Et ensuite, on va donc inventer naturellement des attaches à cette montre de poche, donc ce qu'on appelle les cornes, et sur lequel on viendra fixer le bracelet. Donc sur ces montres de la toute fin du 19e, début du 20e siècle, on verra aussi des systèmes de grilles qui protègent ces verres. Ensuite, on verra par exemple l'invention de la Reverso qui permet donc de protéger le cadran et la vitre de la montre en renversant sur elle-même une partie de la montre. Donc ensuite, c'est une chose qui sera utilisée et développée par Jaeger LeCoultre, même si ce n'est pas la marque à proprement parler qui est à la base de cette création. Et on verra dans un autre domaine l'utilité d'avoir des montres étanches. Par exemple, on a une célèbre Rolex Oyster. Donc là, c'est vraiment le fait de vouloir rendre étanche avant tout donc à l'humidité, mais également à la poussière et autres, les parties mécaniques de la montre, en les protégeant au maximum, en ayant donc un fond qui est vissé, une couronne de remontage et de mise à l'heure qui a un système qui permet également de la visser pour la rendre étanche à toutes les agressions donc d'humidité, de poussière, etc., pour permettre naturellement à la montre de mieux fonctionner. Période des années 50-60 reste, disons, relativement conventionnelle, et on va retrouver une certaine fantaisie, disons, dans le courant des années 60, donc avec des créateurs. On verra également ici à Genève, par exemple, un prix qui est décerné pour des créateurs horlogers. Donc à l'époque, il y a une grande compétition entre des gens comme Gilbert Albert, Gérald Janta, qui vont gagner tous ces prix et qui vont imposer de nouvelles tendances dans le domaine de la création des boîtiers de montres. Là, je pense qu'on peut vraiment utiliser le terme de design comme on l'emploie, disons, de façon quotidienne aujourd'hui, où c'est la fonctionnalité qui prime sur, disons, l'aspect esthétique. Donc là, bon, dans ces créations, avant tout, ce qu'on cherche, c'est une montre, disons, aux lignes sportives et qui soit très robuste et étanche naturellement. Et on a aussi différents styles qui apparaissent. Effectivement, donc dans le domaine, disons, de la vente du produit horloger, on commence dans les années 60-70 à créer des collections qui répondent à différentes heures, disons, du jour ou de l'activité de la personne. Donc on peut avoir effectivement des montres élégantes, extra plates, comme Piaget en fera énormément, se fera une spécialité, donc qui sont destinées plutôt à des montres de sortie, de soirée. Et on aura naturellement donc et les Rolex, Oyster et toutes les créations de Patek Philippe, Vacheron, la Royal Oak, d'Audemars Piguet, etc., aux allures beaucoup plus sportives, donc destinées à d'autres types d'heures de la journée. Je vous remercie beaucoup pour cette interview, M. Tellier. Et puis, je vous en prie. Au plaisir. Merci. Au revoir. Merci.